J'ai commencé la danse très jeune et voilà, j'y suis toujours en fait. Ma vocation pour la danse, c'est l'envie de se produire sur scène, en fait, et l'envie de pouvoir transmettre aussi un message au public. Ce qui m'a inspiré quand j'étais jeune, c'était surtout, comme je pense pour tout le monde, la télé. Donc, via la télé, on avait un peu tout ce qui se passait un peu ailleurs, donc en dehors du pays. Et voilà, c'est ça un peu qui... Il y a une idée qui germe dans ta tête de te dire bah tu vas essayer d'en faire un métier plus tard quoi. Et en fait voilà, je suis l'un des pionniers en fait, on va dire dans le domaine culturel, dans ce qui est le domaine de la création. Mon parcours c'est Yaté dans un premier temps, après c'est Nouméa avec les cours de danse, et après c'est surtout le départ en France, donc en fait avec beaucoup d'allers-retours. À 21 ans en fait, je me retrouve en Côte d'Ivoire, donc avec la formation Côté Bas, à travailler avec cette compagnie-là en formation au sein de cette compagnie. Ce n'est pas forcément l'enseignement qui m'intéresse le plus, c'est plutôt la création, de pouvoir créer en fait. Donc je pense que l'idée aussi dès le départ, c'était au moins de pouvoir créer une compagnie, et je pense que j'y suis arrivé après donc cette période de danseur, et de passer après à l'état aussi de chorégraphe. Donc Nia qui veut dire en langue djoubéa légende, et en fait cette compagnie-là a été créée en 2000, donc ici même au centre Tchibaou, et donc elle existe depuis maintenant bientôt 18 ans. Je danse moins, je suis plus souvent sur la direction donc, de spectacle. Dans les danseurs que j'ai aussi, ils sont issus des différentes disciplines. En fait, quand je parle de mon cas aussi, c'est-à-dire que j'ai des danseurs qui viennent aussi bien du hip-hop, du contemporain que du classique. Je mélange souvent les danseurs. Donc, je ne fais pas forcément de différence, parce que quand je travaille avec des danseurs classiques, j'essaie de m'adapter aussi à leur code aussi. Ça permet aussi de créer toutes ces passerelles aussi entre ces différents danseurs, d'une part par leur discipline respective dans le domaine de la danse, mais surtout par rapport à leur personnalité aussi, et puis surtout par rapport à leurs influences aussi. Donc, je pense que c'est important pour moi.